On est vraiment tous concernés. Les petits malins là qui pensent que vas-y. Que vos grands-mères, c'est des putes! Voilà, mon gros. Voilà. Salut, salut. Salut les gars. Salut, salut. Donc, on se retrouve pour une vidéo pour la chaîne de Palais Chaud. Donc, en fait, on va parler du coronavirus, mais en fait, on va le faire sous forme de questionnement. On va se poser des questions et essayer de répondre en forme de débat. Comment se déroule le confinement? Je pense qu'il s'agit d'une question générale. En gros, comment le confinement se déroule? Tu veux commencer, Larissa? Bah ouais. C'est très, très dur pour moi. Je vais pas vous le cacher. Je sais pas quoi faire. Et les gars, c'est dur. C'est dur de ouf. Ça se déroule très très mal. Hein. Arrête, t'en penses quoi toi du confinement, wesh? Ça rend ouf. Oh là, ça rend ouf le confinement. Voilà, ça rend ouf. Après, on essaye de... Non mais je suis sérieux. En fait, c'est dans le sens où c'est inhabituel pour nous. On n'a pas l'habitude de... Ouais, je suis les gars. Ouais, on n'a pas l'habitude. Parce qu'en fait, on a besoin de l'air frais. Enfin, il y a de l'air frais dans la maison, mais c'est pas comme si on était dehors dans un parc. Mais grave. Au resto. Ouais. Mais par contre, le resto nous manque de ouf. Allez, la deuxième question. Ça fait combien de jours que t'es pas sorti? Alors, je te laisse répondre. Ça fait combien de jours que t'es pas sorti? Ben, ok, je suis tout en dehors, moi je vais au travail. Ouais. Alors, il y en a qui travaillent pendant le corona. Du coup, voilà. Et toi, ça fait combien de temps que t'es pas sorti? Moi, ça fait 2 semaines, je crois. Ouais, que je suis pas sorti. Non, fait... ça fait 17 jours, là. Ouais, en gros, toi, depuis le début. Confinement. Depuis le début du confinement. Avant le confinement. Le samedi. J'ai été faire mes courses par-ci, par-là. J'ai tout fait et tout. Depuis, bah, je sors plus. Ah bah, en ce qui me concerne, des fois, je taffe. Donc, la dernière fois que je suis sorti, bah, c'était ce matin. J'étais allé faire un bail important. J'étais parti chercher du gel hydroalcoolique. J'étais allé chercher du gel hydro-machin. Hydroalcoolique. Mais il n'y en avait plus. Tu fais quoi pour passer le temps? Donc, en gros, pour faire passer le temps, on redécouvre la vie dans la maison. Parce qu'il faut savoir que nous, je pense que la plupart des jeunes, c'est pareil. On a un peu l'habitude de manger dehors. Et depuis le confinement, on a commencé à cuisiner, faire des gâteaux, ce genre de choses. De la pâtisserie, ouais. Ouais, de la pâtisserie. Lui, monsieur, il s'est transformé en boulangerie en quelques jours. Et ma soeur m'apprend à faire des gâteaux. Quatrième question, tu manges quoi pendant le confinement? Bah, on mange comme des gros. Hein, faut être clair, ouais. Faut être précis. Voilà. En fait, faut savoir que... On fait pas de régime, hein. Ouais, faut savoir que depuis le confinement, en fait, c'est assez bizarre. En fait, quand on s'ennuie, ben, on a l'impression qu'on a faim. Du coup, on fait que graille. Ouais. À 2h du mat, moi, on mange des chips. On mange des chips. On boit du soda. Pendant que les autres dorment. Le confinement, ça rend ouf. Hein. Voilà, ça rend ouf. Zamorano, lui, fait tout le temps de la viande. Bah, parce qu'il faut savoir qu'il est bouché aussi. Du coup, il kiffe trop la viande et il fait tout le temps de la viande aussi. À côté de la pâtisserie. Tu travailles sur quoi en ce moment? Moi, je travaille sur ma chaîne YouTube. J'essaie de la faire évoluer. Je profite du moment pour qu'elle puisse atteindre le sommet que j'aimerais qu'elle ait. Du coup, voilà. Oui, donc moi, j'essaie juste de faire des dessins, de dessiner le maximum possible. Parce que bon, ces derniers temps-ci, j'ai commencé avec des thèmes qui sont assez difficiles, dans le sens où ça prend beaucoup de temps et... Pendant le confinement, ben on essaye de dessiner tout simplement. La sixième question, tu regardes quelle série? Essaye de regarder My Hero Academia. Là, je suis à la saison 4, épisode 12, je crois. Ouais, saison 4, épisode 12. Et j'essaye de regarder Boruto aussi, mais avec Amasha, c'est un peu chaud. Parce que vas-y, plus d'action, etc. Et toi, tu regardes quoi comme série, gros? Oh, attendu là, je vais à mes jeux là. Par les documentaires de temps en temps. Là. Ah, ça c'est une question qui vous concerne. Vous préférez quoi, Snapchat ou Insta? Hein? Snapchat ou Insta? Ben moi, Insta. Insta? Ouais.
Pourquoi tu préfères Insta? Parce que là j'ai plus de vues là-bas. Ouais, t'as plus de vues. Ouais, il a plus de visibilité sur Insta, toi. Mais oui. Du coup, c'est quoi ta chaîne Insta? Zamorano, tiré du bas, non. Ouais, vous pouvez l'ajouter sur Insta. Moi, je dirais que c'est Snap. Ouais, je préfère Snap parce que ça va, je fais mes petites bails, vous voyez, genre. Ouais, je fais ses bails. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap. C'est Girllike, G-I-L-E, tout collé, L-I-K-E, tout simplement. Damn. Et moi, c'est Insta, hein, voilà. J'hésite même pas, c'est Insta. Vous connaissez le bail. Donc, et d'ailleurs, vous pouvez m'ajouter, c'est Angel Spencer. Alors, ton état d'esprit pendant le confinement. Oula, l'état d'esprit. Elle est positive, hein. Ouais. Il faut être positif, mais ça rend ouf. Mais grave. Bah, je vous dis pas, moi j'ai du mal à rester positif parce que monsieur, ces deux monsieur là, ils sortent, ils rentrent. Parfois, je dois les obliger pour qu'ils puissent se laver les mains. C'est un peu compliqué. Moi, je suis dans la panique. Toi, de la maison, tu restes le plus pendant le confinement? Moi, dans ma chambre. Ouais, grave. Dans la cuisine et dans la chambre. Normal, il bouffe tout le temps et il dort. Mais non, je bouffe pas. Bref. Et pourquoi tu restes dans la cuisine? Parce que je crée mes trucs. Ok. Compte faire quoi après le confinement? Ah ouais. Mais moi, je compte reprendre le travail. Voyager. Ah et ouais. Les cours. Et franchement, je pense que après le confinement, je vais vraiment reprendre mon les bars. Ouais, reprendre la base, tu vois, de la vie, le train de vie très très passionnant qu'on avait avant, voilà. Resto, boire, etc. Moi, je vais voyager. Tu vas où, gros? C'est ouf, lui. Pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Restez chez vous. Stay home. Life days. Fica osso. Fica osso. Na contada.